Bon, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être présent cet après-midi. Je remercie Guy, les organisateurs, de m'avoir invité également à participer à cette journée de l'ATS. Je trouve très, très intéressant pour tout ce que j'ai entendu ce matin. Alors cet après-midi, on passe sous le signe de l'international, et j'ai le plaisir effectivement de présenter et d'introduire Pascal Faucon, qui est docteur d'abord, c'est important de le signaler, donc c'est entre guillemets un des nôtres, et qui a un parcours très diversifié. Bon, je crois que vous avez fait votre thèse au CEA à Saclay, et puis vous avez une expérience à la fois, je dirais, entre les deux mondes, le monde non académique et le monde académique, et en tant que professeur associé, je crois, à Cergy Pontoise actuellement. Avec un parcours à l'international aussi sur l'Université Laval, à Québec. Donc vous avez aussi cette expérience internationale. Et donc vous allez nous parler d'international cet après-midi, avec la dimension valorisation du doctorat à l'international, qui est effectivement quelque chose qui demande un certain nombre d'attitudes, de qualités. Mais bon, je vais vous laisser la parole pour mieux expliquer moi ces aspects. Voilà. Et merci à vous d'être venu, effectivement, à l'invitation des doctorants de l'ATS. Merci.